Hey, salut tout le monde, c'est Runzia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Dragon Quest 11S, c'est parti. Alors nous voilà à Gallopolis. On va essayer de récupérer le marteau qui va nous permettre de forger l'épée de lumière. Donc on va en direction du palais pour essayer de parler au sultan. Et on tombe sur son fils, Faris, qui a encore un problème. Il nous demande de le retrouver parce qu'il cherche des informations sur l'astre qui s'apprête à tomber. Mais avec ça, beaucoup de rebondissements, on va rencontrer un chronomis noir. Vous savez, les petites bestioles qui nous donnent les mots du passé. On dirait qu'il fait une espèce d'incantation ou je ne sais quoi. Je vous en dis pas plus, on va voir ça en vidéo. Alors ça y est, nous sommes à Gallopolis. Donc, pour essayer de retrouver la trace du marteau, on va déjà aller voir le sultan, parce que je pense que c'est le seul qui peut nous aider. Et deuxième chose, je vois pas... Ah, si, il y a quelqu'un qui peut peut-être nous aider, c'est Faris, le fils du sultan. Mais vu comme c'est un neuneu, je suis pas sûr qu'il puisse vraiment faire grand-chose. Enfin, au moins d'aller voir le sultan, ça sera déjà une bonne chose. Toujours aussi beau, hein, ce palais. Tiens, il y a Faris. Et en plus, il est juste là. Mon garçon, je t'en prie, pour les bruits, c'est insensible. T'es la vie. Mes craintes, père, je prendrai toutes les précautions nécessaires à mon retour. Le mystère de l'étoile sera résolu. Gallopolis sera sauvé. Ils appellent ça une étoile, l'astre qui tombe du ciel. D'accord. Ah ouais, vraiment, le... L'astre qui descend du ciel là, pour s'écraser sur une ville, ça fait vraiment penser à Zelda Majora's Mask, vraiment. Depuis le collègue des rois et le désastre qui s'ensuit. Messire Théobert, je vous en prie, écoutez-moi ce qu'on a raconté sur le carré, t'es fou, il n'est pas à l'agence de l'ombre. Mais là, nous avons été écoutés par le roi, en Hélène. Cela entraînait la destruction du monde, nous sommes responsables de ce désastre. Il sait pas mettre un t-shirt, par exemple. Il a pas envie, hein. Monsieur Théobert. Si l'astre d'Héroïne suffit sa descente, Gallopolis serait là, car t'as eu des informations. Très peu, malheureusement, j'ai demandé le plus éminent savant de se pencher sur la question, mais ils n'ont rien découvert d'intéressant. C'était sûr. C'est intéressant que mon fils Faris m'a dit d'avoir distingué des runes sur la surface de la barrière pour l'étoile. C'est la première fois que j'en entends parler de l'astre même des brumes. Mon fils est sur le livre, mais il est parti. Là. Un des plus grands savants. Ah, encore. Donc là, l'ergue d'Astronoma, c'est là où il avait affronté. Je sais plus comment ils appellent ça. Le boss là, des sables qu'on devait capturer pour Faris. Ah, je sais plus son nom. Une espèce de gros scorpion là. Bon bah allez, hop. Ah. Non, j'ai cru voir un coffre. Bah non. Donc allez, hop. L'air gastronome. Est-ce que j'ai la téléportation? C'est pareil. Non. Bon, bah, tant pis, on va aller au sud de la police. Et puis après, on va aller directement à l'air gastronome. Oumia, je sais plus. Non, ça va. C'est une... Ah, l'air d'astronoma. Ouais, c'est que des petits ennemis, c'est déjà là avant. J'ai même pas envie de m'en mettre la vidéo. Ah, c'est vrai que niveau là, que avant niveau 45, tu montes plus beaucoup, hein. C'est vrai que vu que tu t'amuses pas à battre les ennemis super faibles, nous avons des prochains avantages pour essayer de garder l'une aussi loin. Mais votre attaque, je suis désolé, c'est beaucoup trop dangereux, je refuse. Sans pénétrer dans l'air de ce moment, non, mais il y a toujours un mais. Sans doute qu'il a quand même surprise.
Ils ont identifié les ruines d'une tombe qui est tombée, voilà, plus courageux que jamais. Ah, je me fais comme dehors de prince, voilà, qu'est-ce que vous amène dans ces têtes? Ils sont venus étudier là, ça peut dire que vous êtes. Ouais, enfin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le marteau. Vous connaissez votre princesse? Bien évidemment, vous êtes mon héros, vous êtes le héros de tous les jeux de chevaliers, c'est un guet sous vos ordres qui vous parle. Soit ici, il faudra le manger, sinon on ne fait aucun doute. Ah ah! Bon, allez, allez, on. Enfin. Vous semblez à partir de parler de votre arrivée. Ah oui. Quoi pour vous expliquer si vous me le permettez? Toi, tatiner, excellent. J'ai cette proposition avec grand plaisir. Toi, tatiner. Bon, bah, allez, on va voir. Je sais pas où allez-vous, mais. On va suivre Ferris. Enfin, Ferris. Donc, eux, là, c'est des petites bestioles, ça rend intéressant. Parfois, elle est où là? C'est quoi cette bestiole là? Allez, là. Dis donc, un cac confibien approche. Il est sympa, lui. Allez. Hop. Après, évidemment, le fameux coupet. Oui. C'est vilain comme coup. Bah, trois fois. Voilà. Qu'un ennemi touche une fois, touche deux fois, mais trois fois, voire quatre, j'en ai vu qu'un ennemi qui me touche quatre fois avant que je puisse attaquer, c'est un peu abusé, quoi. Allez. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire contre toi? C'est chiant, les ennemis comme ça. Allez. Adieu. Et puis bien. Voilà. 1200 toi. Et encore en vrai. Donc. Ah, il y a un truc qui est sorti ici. Et encore les Dragobots. Je sais pas s'ils ont les yeux rouges. Puisqu'ils ont les yeux fermés. Moi, je sais pas. Région possible. Pas trop bien. Un voiture et les ruines de l'Astronoma. Je vais discuter avec le prince Paris. Je sais pas si vous voulez que je monte là-dessus. Là. Si j'y arrive. Ah, elle est où l'entrée là-dessus? Elle est là. Non, elle est pas assise là. Ah bah. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis allongé, tiens. Comment il croyait que vous étiez venu pour le PDS? Il est encore plus beau qu'en plus pour vous deux. Combien sont-ils à avoir eu la chute de Marie aussi? Ah, il y a un truc qui tourne à terre comme un mécanisme. Tiens, il y a encore un petit bestiole, une espèce de chrono. Je sais plus. Chronomis. Elles sont toujours été ici depuis l'époque des grands-pères comme mon grand-père ou quelque chose comme ça. Il va aller marcher sur la tronche, bref, tu m'étonnes. Ah, apparemment on est le seul à le voir. Je sens que c'est une sorte de sec, un cadre merveilleux pour jouer, vous imaginez un peu. Tout ça avec ton épaulette, on voit. Ah, il s'arrête. Bah, c'est pas le Chronopolis qu'on voit, enfin, Chronomis qu'on voit au début, pendant la cinématique, je pense pas. Hein. Ah. Des longues vues. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là, la petite bestiole? Qu'il l'appelle?
Qu'est-ce qu'on fait? On va le voir direct. Ah oui, on s'en fout de ce que racontait Théo. Il est bizarre, mais il est moche en plus. Tu peux le voir. Oui. Que tu es éclairé. Oui. Oui, mais moi je veux que tu parles tout seul. C'est jamais bon signe. Tu m'étonnes. Oula. Chose du passé vers moi, revenir. Waouh. Ah, y'a un truc dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un monstre ou quoi? L'astre. Oh là là, ça sent mauvais. Voilà. Comme quoi, faut jamais trop réveiller les choses qui viennent du passé. C'est jamais très long. C'est passé, il va s'écraser sur nous. Qu'est-ce qu'il fait, Théo? Tu vois pas qui c'est? Et là, il va nous dire qu'il y a une... Oh. Qui c'est? Mais c'est retombé dans l'esprit passif, le bon à l'abri. Pour l'instant, je crois pouvoir déchiffrer ces runes. Calas. Calasmus. C'est trop dangereux. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est celui-là? Qui c'est? Tu veux savoir qui c'est tout de suite? Il a l'air méchamment balèze. Ce monde est à moi seul. J'étais persuadé d'avoir vu quelque chose dans l'astre. Il y avait un truc. L'astre il a disparu, l'astre portait le nom d'Irduin. Sachez que telle l'œuvre de cet ancien héros et cette ignoble créature elle était-elle pas? Ce n'est pas une ignoble créature, c'était le sauveur de Gagwis qui l'a empêché pas de nous écraser. Vous auriez me sauvé mon peuple, vous auriez me servi simplement quand je vais lancer la bonne nouvelle. Enfin, c'est pas toi qui l'a fait, ça. Ah, trouvez si vous avez besoin. Ah ouais, tu m'étonnes. Est-ce que ça peut bien vouloir? Enfin, le marteau, alors, le marteau. Il est où, le marteau? Ouais. C'est qui ça? On dirait qu'il a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Oh non. Attends, on va aller le voir. Elle est là. Bon, ça marche pas. Bon, tant pis. Donc là, je sais qu'il y a un... Attention à vous. Voilà, c'est qui ça? Il est l'arbalèze. Voilà. Enfin, on va aller au camp. Il y a un camp juste à côté, on va essayer de... Enfin, on va aller au camp, tout simplement. Décapiter. On va aller au camp pour au moins avoir les confrontations sur ce camp-là. Et on va retourner au château de Galopolis. Ah, j'ai envie de savoir qui était ce démon, ce monstre tout en noir là, qui a détruit l'astre. Décapiteur, voilà. 320, ouais, c'est beau. Ouais, vas-y. Il était énervé, Eric. Ouais. Ah, Eric, plus 1,45, c'est normal. Je m'étonne qu'il soit énervé. Donc...
Ouais, ça ne dit rien. Ouais, le fameux. Ouais, on va se reposer jusqu'à l'eau, comme ça on récupère nos PV et PM. Alors, magie, téléportation. Ah, c'est où déjà? Je suis perdu là. Galopolis. Ville de Galopolis. Hop. Donc là, direction le sultan. Je pense qu'en passant, on va entendre les railleries de Faris. Hein, il va dire que c'est grâce à lui que l'astre n'est plus, qu'il a sauvé Galopolis et le monde. Ça, c'est presque sûr. Le nom de Faris, c'est sûr et certain. Il fatigue trop, ce gars-là. Ça me saoule mes amis quand les toits volé en éclats, j'ai craint le pire. Faris m'a raconté que c'est qui passait en DLZ, si qu'un sauveur a choisi nulle part et détruit l'astre avant qu'il me dévaste son mon royaume. Taf, mais j'attends encore un peu avant de qualifier de sauveur pour l'heure, j'aimerais vous demander quelque chose, votre grandeur. Pour le former un mot Kalasmo, cela vous évoque quelque chose. Kalasmo, malheureusement non. C'est quelque chose d'important. Pas disparaître tout seul, nous avons encore du pain sur la planche. Ah oui, le fameux marteau alors. Mesdames, le club vous prira pour votre victoire. T'as fait, est-ce que vous avez quelque chose contre moi si après tout j'ai encore une dette envers vous? Bah tiens, justement. J'ai oublié de vous demander ce qui s'est au sujet. Ah, marteau. Alors, sultan, qu'en dis-tu? Oui. Ah, là, j'ai cru qu'il était parti. Qu'est-ce que je puisse faire pour vous, messire Théobert? À vrai dire, oui, j'ai besoin de vos lumières sur un marteau géant censé se trouver ici à Galopolis. Elle serait en votre possession depuis le temps des héros. Un marteau géant, vous dites? Ah oui, vous voulez sûrement parler du marteau sacré, il appartient à la famille royale depuis des lustres. Sacré dans la salle du trésor. Et évidemment, je parie qu'il a disparu. Et il va en courant en plus, Rorita. C'est bien. Alors? Ah non. C'est bien cela, c'est le marteau de Derwin. Celui que nous avons vu dans la vision. Père, as-tu l'intention de leur donner le marteau ou voulons le vendre pour financer le prochain Gallo Royer? Je suis insolent. Ouais. Vous seul pouvez vaincre ces gens. Si vous avez besoin, le marteau est à vous. Que c'est beau. Hein? Il n'y a pas photo, hein. Même si on a dit un jour que le pouvoir de l'esprit de terre réside dans le marteau sacré, on raconte qu'il peut passer lui-même le plus restreint des métaux. Du moins, c'est ce que disent les légendes. On espère que vous aurez une requête. Je vous souhaite bonne chance, mon cher ami. Je suis de cœur avec vous. Ah voilà. C'est sympathique. Donc, il y avait récupéré la lisse, marteau de Galopolis. Et bah ben, là, direction Yoto en fait. Les téléportations Yoto. Parce que le volcan il est juste à côté de Yoto, donc les métaux de, alors je sais plus c'est quoi, mais c'est l'oricalque, voilà, l'oricalque de l'île flottante, la Lys, et le marteau de Galopolis. Maintenant il reste plus que Yoto, voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Un monstre doit voir Miko au temple, elle t'expliquera. Au temple sanctuaire. Voilà. Enfin, c'est sûr, on va se faire du bien. Alors, allez, c'est parti. Direction l'église. J'ai pu voir un Konomis. Donc, l'église, parce qu'ils appellent l'église, c'est plutôt, j'imagine, le sanctuaire, je crois. Hein. C'est... Enfin, je sais pas, je suis pas sûr. Faut qu'on se balade. On se retrouve au micro temple. Au temple, voilà, au temple. Ouais, je dirais plutôt le sanctuaire, mais le temple, non.
roi, ça c'est pas le temps, ouais, je dirais le temps plus bas. Ça ressemble plus à un temple, ça. Ouais, c'est pas lui. Est-ce que c'est là? Oui, c'est là. La victime du monstre sommeille telle ours, maîtresse Miko la bête, trop d'encore reportons le rite. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Il y a une médaille autour du cou, genre. Silence, Vermisso, l'esprit d'un moine vaut bien celui d'un monstre. Ah, elle est blessée. À cause d'elle. Ouais, quelqu'un qui vous semble mieux prendre avec des pincettes. Merci Sylvando. Oh, des visiteurs. Pardonnez ma colère, la honte m'accable. Point de hasard, si le vent vous a guidé ici, écoutez-moi donc, hein. Qu'est-ce que t'as mis? Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, voilà, on voit le volcan, là où il va falloir forger. Donc l'épée de lumière. Le désastre, un moine relié, sa route une bête, l'ennemi à feu, tout le monde de griffes et de crocs, une fuite effrénée. Blessé. Terrasser cette bête et mon plus grand souhait, mais je suis blessé. Plaie infligée par Tatsunaga, le monstre que j'ai vaincu. Mais tu l'as tué, vas-y. Oui. Telle la steppe en plein été, bénis la pluie. La bête attend. Ah, qu'est-ce que c'est comme bête. Bon, allez hop. Protège ses guerriers, bah oui. Ce serait pas mal quand même de nous protéger un petit coup, parce que si on doit affronter une bête... Donc, direction... Voilà, le mont Fuji maintenant. C'est beau ces temples-là. Alors, hop. Voilà. Ouais, donc, il faut aller... Mont Fuji. Hop. Je vais peut-être aller quand même valider le comment dire, comment ça s'appelle, parce qu'on peut aller dans le vrai. Valider le camp qui est à gauche. Parce que comme ça peut nous permettre, si on doit revenir là, on peut. Allez. Après, direction le mont Fuji. Ah, ça fait longtemps qu'on n'était pas venu ici. Hein. Allez, hop, fais ton feu de camp. Je vais se reposer. De toute façon, ça coûte rien. Allez, hop, jusqu'à l'aube, c'est parti. Alors. C'est pas grave. Donc, on va repasser sur. Sur le tronc d'arbre qui fait office de pont. Ah, il y a un truc en bas. Ouais, ouais, enfin, c'est pas grave. Je peux pas y aller, je peux faire tout le tour pour rien. Moi, je peux y aller. Bon, ouais, je peux faire tout le tour. C'est pas bien loin, mais c'est pas grave. Donc, hop, on monte. Cinématique, une fois de plus. Non, restez pas ici, partez, partez! Oh, c'est une araignée, non? Oula! Allez-vous-en, je vous montre. Oh, ça reste. J'ai l'impression que c'est un gros ours. Je ne vais pas déchiter, vous permettez de partir. Nous ne bougeons pas ici pas avant que tu promets de tourmenter des moines innocents et de permettre aux villageois de gravir la montagne. Vas-y, je ne vais pas.
Et on va partir, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est toi, Elliot, ils vont nous entendre. Comment tu peux leur faire peur s'ils n'arrêtent pas de parler? Oh. C'est des gamins déguisés, ça, non? Bah tiens, plutôt des gamines. Tout ça, c'est de ta faute, Tsuko, maintenant on est dans le pétrin. Bah, c'est une autre monstre terrifiante, ce sont que des enfants, on peut dire qu'on a fait une sacrée surprise, mes petits. Mais sérieux, qu'est-ce que vous avez pris pour récupérer la prudence de ce que vous Nous ne voulons pas, nous n'avons rien à faire, mais il faut arrêter le rite, c'est une catastrophe. Oui, vous devez écouter mon frère Miko, il veut faire quelque chose d'horrible, on doit l'arrêter. Qui tient quelque chose en tête, il faut le mieux qui tient cette affaire au clair. Vous nous écoutez, les amis, nous ignorons du matin au soir. Pas nous, voilà. Mais on va enfin nous écouter. J'espère qu'ils vont être forts avec eux à nos côtés, les gens qui font. On a un secret, une tanière comme le renard, merci beaucoup. Allez, bon. Ils sont tout dingues. Donc, apparemment, faut arrêter le rite. Ah, attendez, où là? Cachette, porte du volcan. Il faut aller par là, apparemment. Ah, truc là. Morceau de lave, donc là, voilà, cachette. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? On va réveiller leur mère. Vous êtes merci d'être venu comme le blé espère la pluie, nous vous attendions. Ces personnes, mon fils, sont tous bien les meilleurs de la lueur d'espoir. Oui, mère, ce sont eux, ils ont écouté l'histoire avec grande patience, c'est sûr. Explique-nous pourquoi. On nous l'a dit répété, cette fois c'est mal. Pour calmer les dieux, c'est pas vu, la chère mère. Quoi? Un sacrifice humain? Mais voyons, celui qui s'est libéré à ce point. Lors d'une assemblée, Meko a eu ses paroles d'ombre et de mort. En des temps heureux, nous offrions des fruits, soit maïs, des jours résolus, je vois. Sans un sacrifice, le feu nous dévorera à la marche du volcan. De beaucoup de crimes. J'ai choisi un cadeau pour le volcan pour prendre une porte. Ah bah non, pourquoi moi? La montagne a fait son choix, c'est ce qu'a dit Meko. Allez, notre mère ne veut pas trop croire, c'est notre devoir. Je comprends pourquoi vous avez agi ainsi. Pour sauver l'arbre, une feuille tombe dans les flammes, peut-être dois-je périr. Si bien que ton sacrifice est juste un prétexte. Mère, il y a peu, a vu Miko se rendre à un lieu tabou. Miko l'a appris, elle veut enterrer maman, il l'a mérité. Son secret se cache dans la montagne, sinon pourquoi y aller? C'est sûr. Ah, allez, de toute façon, on va y aller. Vous nous emmenez d'où celui qui aime pour être et celle qui pince en dedans. Ah, il y a des passages secrets partout là-dedans. Ténèbres, le cœur du volcan, d'accord. Eh ben, ouais. Donc là, il y a quoi? Il y a quelque chose ou pas à récupérer là-dedans? Non. Eh ben, bah vas-y. Ah, c'est quoi ça? Ah si, je me disais, j'avais bien vu quelque chose. Voilà, encore un mot du passé. Voilà. Oh, ça doit en faire quelques-uns que j'en ai trouvé là. Elle était bien cachée, hein. Il était rouge, on avait du mal à le voir. Je m'y suis pris à plusieurs fois pour le voir, ouais, bien caché. Hein. Allez. Donc là, bien sûr, il y a des ennemis, évidemment. Donc là, le passage. Ouais, on va tester les ennemis de la grotte. C'est quoi ça, le gluant? Est-ce que c'est pas un gluant de métal, ça? Oh, ça fait pas du bien. Attends, parce que là, c'est un gluant de métal ou pas? Eric, abuse pas. J'ai pas vu. Alors, attends. Gluant de poids. Je vais...
Non, ça c'est pas un lion qui nous donne spécial. Ah mais arrête avec tes sorts, mon dieu. Ouais, c'était un gluon minable. Bon allez, on continue. Oula, il y a du monde ici. Enfin, vu les ennemis, voilà, je m'ennuie encore un peu au niveau des ennemis. Ah là, peut-être que... et encore, c'est quoi ce... Ah, dans le dos. Ni vu ni connu. Ah non, ça c'est les... comment il s'appelle déjà? Oh, je sais plus. Ah, le Révarant. On les a vus. On les a vus déjà. Ouais, je sais plus. J'ai plus. On les a vus il y a pas longtemps. Ah, j'ai. Peur de mémoire, j'en veux plus de ce que les a vus. Bah, on en voit tellement. Franchement, on voit tellement de grottes. Cavernes, on voit des montagnes, et ça en vient des fois à pur de se repérer. Wow. Je vais faire un lit de terre. Un de moins. Méga flamme. Allez. Voilà. Allez. Ah, je pensais l'avoir pris. Et ben voilà. Donc allez, on avance. Eux, les petites bêtes, là, ils sont chiants. Bah, il y a toujours rien, d'accord. Ah. Va pas falloir plonger, quand même. Ah bah, presque. C'est S187 ou c'est du tout et du tout, on m'énerve. C'est bien dommage, mais si on sort une distance perche, je ne sais pas vous, mais moi je suis en train de. Liki quoi? Oula, c'est pas bon ça. T'as le présager? Rien de bon. Un dragon pour. Bah, tu m'étonnes. Ah, ici, regardez. Oh, il a l'air pas. Wow. Mais il a pas l'air aimable. En plus, réveiller une bête de cette taille-là, aussi énervée, c'est pas bon signe. Tatsunaga, le monstre dont Miku nous a parlé, mais elle n'a pas dit qu'elle l'avait tué. Voilà son cri, elle n'a pas tué le dragon qui l'a laissé. La ville monteuse, mais on ne comprendra pas pour ça, il faut l'arrêter. Rentrons au village, les gens veulent savoir ce qui s'est passé. Oh non! Retournez au sanctuaire de Miko à Yoto. Allez, c'est les allers-retours, voilà, c'est ça. Voilà. Allez, hop, direction Yoto. Vallée de Yoto. Plutôt. Moi, j'aurais bien pu l'affronter, moi. Bah ouais. Ça aurait été plus sympa, tu vois. Non, mais c'est le genre de truc qui ça me saoule, ça, c'est... Tu vas dans un endroit, faut revenir à l'endroit précédent pour valider la quête, machin, repartir à l'endroit où tu étais, parce que c'est ça, hein, on va devoir repartir dans la grotte du volcan, hein. Ah, ça, c'est le genre de truc que j'aime pas trop, ça. Mais bon, c'est pas grave. Ça va se faire, et on le fait avec le sourire. Donc là, on va dire les quatre vérités, Madame Boiteuse, là. Fait semblant. Écoutez tout le monde.
Donc Yamato, soit telle la brise du vent, telle l'ouragan. Non, pas question, je vais lire ici. Tsunagi. Tu racontes-tu Tatsunaga n'est plus mais comme il l'a dit. Non, il vit encore et vit dans sa bannière tel un grand volcan. Tu mens, misérable, un monstre bloque le chemin, il ne peut passer. C'est moi, le monstre, cet être que tu redoutes, c'est ma sœur et moi. Comment? Nous avons primaire, fait peur à tous ceux qui s'en approchaient. Petit imbécile, vos genoux font catiser le feu du volcan. Pourquoi te croire, toi, dans les grands, dont les grands exploits n'étaient que tu vends? La bête vit encore, tu as condamné nos vies pour sauver ta peau. Libère Harpie, sacrifie son but, nourris le dragon. Le pauvre dragon. Tel est ton grand plan, ce pacte avec le dragon ne te sauvera pas. Et Ryu alors, ce fils qui t'a suivi, s'est-il vendu lui? Elle avait un fils. Tais-toi, que sais-tu de la vérité ou même des sacrifices? Elle fait peur au petit. Ouais. Et le trapèze dragon est grand fumé. Mais pourquoi cela? Pourquoi nous jouons dragons nous périrons tous? Silence! Mon fils adoré l'a tué et a succombé. Allez, boite, fais semblant de boiter. Sans tu lire du volcan, tu risques nos vies. Je veux votre mère, le feu qui a une ardeur, le temps est compté. Non, il n'y aura pas. Bon, bah allez. Je sens que ça va être à moi de jouer. Ce rugissement, oui, c'est pas bien. Bien vite. Tatsunaga, mais oula. Bon. Alors, c'est parti. Ah, il a l'air méchant. Toi. Voyez, il n'est pas mort, mais vous avez roulé, il va vous manger. Suivons avec leurs arbalètes. Tirez. Ah, ça fait pas du bien, pardon. Recommençons. Stop, baissez vos armes, même si les dragons sont des garçons. Maîtresse Miko? Ah, c'est son fils, en fait. Assassis-toi, mon enveloppe mortelle sera toujours bien. Oh! Nanto! Honore! Il l'a becté. Mais il a perdu ton épée pour le tuer. Combat ce démon. Ce n'est qu'un garçon. Donc c'est son fils qui serait. Qui serait transformé comme ça. Mince. Énergie, ça va. Mettre un top secteur, gagner. Yoto. La terreur de Tsutsanaga. Allez. Combattre le dragon, oui. Moi je suis chaud pour le combattre les dragons, toujours. Donc là voilà, on est une bonne petite équipe. Malheureusement c'est ce que je pensais pas à ça tout à l'heure. Soyez sur garde. En fait on a plus deux équipes de 4. On a une équipe de 4 et une équipe de 3 puisqu'on est que 7. Donc ouais, si on perd voilà. On va être encore un peu plus dans le pétrin. Morsure du dragon. D'accord. Aptitude, bah là, en aptitude, j'ai pas grand chose à part coup de belle, hein. 381, c'est pas mal. Ramolo, d'accord, ça ouais. Crash une série de boules de feu ardent. Ouais. Ouais, ça va. Enfin, pour l'instant, ça va, c'est pas non plus. 147. Pas mal, pas mal. Ok. Toujours. Coup près. Bah en fait, c'est coup près, j'ai que ça. Vous mettez l'arme à deux mains, j'ai que ça.
Et je trouve que c'est une bonne bonne attaque. Allez papy, qu'est-ce que tu fais? Redonne-moi de l'énergie là, parce que ça va pas. Ou Henrik, tu vois, ça va être Henrik. Non. Oh, chaud, bah là. Sort. Soin avancé, bah sur moi-même. Voilà. Multi-soin, c'est très bien. Méga protection, c'est bien aussi. Coup prêt! Ah, Tsutsanaga, il est dans le jeu. 390. Quand tu vois ça, tu kiffes. Eh, on lui en fait des dégâts. Bah, le seul truc qui m'embête, c'est Henrik avec le peu de PM qu'il a, c'est un peu pénible. Bah, voilà. Très simple. Alors, très très simple, on dirait un mob. Je te jure, on dirait un mob. Niveau 46 pour Sylvando! Le joli Sylvando! Donc, en fait, le but c'était pas de le tuer, je pense. Là, il va s'en aller au volcan, j'imagine. Il est beau, hein, quand même, ça. Milou, Midragon. Pas mal, hein. La bête fuit, maté, la poussière retombe, le village est sauf. Bah oui. Oui, c'est le cas. On a fait ce qu'on a pu. Le jour se lève, lumière crue et cruelle, Miko est morte. Ouais, ça c'est dommage. Ryo, Kumiko, le lion, disparu laissant les moutons. Vous l'avez vu tenter de protéger ce monstre avant qu'il la dévore, pourquoi réagir si bon, il a toujours pas compris, hein. Déjà ils sont revenus. C'est son fils, je suis presque sûr que c'est son fils. Je suis sûr, tant que le feu couvre encore, nous sommes en danger. Le cœur du volcan au nord de Tatsunaga, la grande porte. Elle doit être ouverte à la domestique. La domestique de Miko a la clé. Ok, alors qu'est-ce qu'il... Donc là, faut chercher la clé à la domestique de Miko. Bien que pas de la servante... Encore une fois. Voilà, de nouveau, on doit repartir au sanctuaire. Les allers-retours, ça, c'est vraiment un truc... C'est pénible. Ça m'avait fait le coup à Phnom Men lorsqu'on avait affronté la presse où il y avait la petite gamine, il fallait la voir, il fallait sortir, repartir, machin. Ah, elle est où, là? Tiens, c'est quoi là-dedans? Il y a des portes partout là-dedans. Ah, j'ai bien trouvé. Oula, c'est le bazar là-dedans, c'est le bazar. Ah, mamie, les dieux sont cruels, c'est ainsi sur épreuve. Madame, bonsoir. Il nous faut la clé. La porte, même pas, dis bonjour. Malpoli, bah, Atsu, Malpoli. L'antre du dragon. Miko éteint, puis le secours il tient à l'intérieur. Ah ouais, Aurel reçoit la clé de la montagne, qu'est-ce que tu crois? Ils pouvaient rien faire, les pauvres. La voix s'ouvre devant nous, il suit proche. Qu'est-ce que tu vas faire, lui? Qu'est-ce qu'elle nous donne? C'est pas, je te cache la vérité, Lys. Lys. Je crois que c'est pas un prénom. Probablement celui de Miko. Ah, vous avez pas entendu, c'est tout. Comment libérer? Bien, après combat, le dragon chie à terre, mon fils sort l'épée. Mais tel un brouillard, l'ombre jette du dragon, il recouvre Ryo. De retour chez nous, il combat les ténèbres, mais la nuit l'emporte. Quelle malédiction! La douleur broie mon enfant, il change, se transforme, donc c'est bien ce que je disais, mais c'est il devient dragon, je dois le dissimuler, fin son décès. Est-ce la vérité, Ryo sur les dragons que nous avons? Il a toujours pas compris, c'est bien un gosse. Alors dans le jeu, les gens ne sont pas très plus. On a du mal à leur faire comprendre. Murat qui avait la vraie forme de sauver mon fils. Et là, sur Murat n'a sur lui aucun effet malgré les essais. Mon fils a été très fin de cette fin qu'ont les dragons pour la chair humaine. Cette brûlure, la souffrance de savoir, la décision prise. Mon fils doit vivre et je porterai le miroir que j'ai sur mon cœur. Mais il l'a avalé. Comment on fait?
faut attendre que ça sorte. Pauvre femme, déchirant pour son enfant et son peuple, c'est à quel point que pour toi, vivre, personne ne vivre, si nous récupérons le droit d'en parler, nous aurons peut-être plus de chances qu'elle. J'en sais rien, ça ne me connaît plus, mais on a disparu l'espoir avec. Allez, les gars, ça sert à rien de tergiverser là. Il faut l'oublier, assassin bouché, il a tué sa propre mère, soyez sans pitié. Oh non, il faut pas être sans pitié, bien sûr, un peu de mal, enfin, c'est doux. Faut pas lui enlever le pain de la bouche quand même. Pauvre bête. Ben, c'est fou, les gens sont méchants avec les dragons. Ah là là, ah, je leur souhaite pas de mourir de faim. Allez, on sort. On sort et c'est tout. Donc là, rendez-vous mon Fuji. De nouveau mon Fuji, c'est parti. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des quêtes FedEx. Hein. Aller d'un point A, revenir, repartir. Genre, ça, c'est le truc que je déteste. Je déteste. Bon, toi, qu'est-ce que tu veux mettre? Tiens, mais c'est pas la dame qui devait... Ouais, toi, bien sûr, c'est la dame qui devait se faire péter par le... par le dragon. Et ben, elle a dit non. Elle a dit non, je me ferai pas péter, c'est tout. Alors, rebelote, c'est parti. Donc, à droite... tout droit. Et puis... tout droit encore. Attention au bongo... bongo, je sais pas comment ça s'appelle. Allez, on monte. Direction le mont Fuji. Pour essayer de trouver une solution pour le dragon. Donc là, on va pas à droite, parce que à droite, c'est fichu. Hein, c'est là où il y a... où les petits enfants ils habitent. Ah mais en plus il nous attend juste là. Voilà, cinématique bien sympa j'imagine, encore une fois. Tu auras fort à faire, ouvre-t-on la porte. Ah il me donne des ordres en plus. Ah c'est vraiment pénible. Ah de nos jours les enfants. Hein? Vraiment dur à leur faire comprendre que... respect aux aînés. Je dois avoir la fin du dragon de l'histoire qui t'accompagne. En plus, il va nous gonfler. Alors, on est où? Donc, on va aller du dos. Il mettait un terme. Zone supérieure. Entrée interdite. Alors, t'as une zone là. Qu'est-ce que c'est? Oula! Ouais, mais alors. Attention, c'est où il y a? Là, je comprends pas. Mon Fuji. Donc là, est-ce qu'on peut y aller par là? Je suis pas sûr qu'on puisse y aller, mais. Zone supérieure, machin interdite. Portail est verrouillé, donc là c'est pas par là. Allez. Et devant ce corps musculeux et cette bête à poil aux yeux rouges, on se retrouve tout de suite après la vidéo. A tout de suite. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et à mettre un pouce bleu, c'est la récompense. Merci beaucoup. On a récupéré le métal précieux, l'oricalque ainsi que le marteau. Il ne nous reste plus qu'à débarrasser le volcan de ce dragon. Alors on ne sait pas encore ce que c'est, si c'est vraiment un garçon, si c'est un dragon. Peut-être un garçon transformé, on n'en sait pas plus, on n'est pas sûr. Ça va être le moment d'enquêter, je pense, dans la prochaine vidéo. En débarrassant le volcan de son dragon... on va pouvoir faire l'arme de lumière. Allez, on verra ça dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour justement ne pas louper la fabrication de l'épée de lumière. À bientôt, ciao ciao.